Je m'appelle Catherine Mukisa et j'ai donné ma vie à Jésus-Christ en novembre 2004. Et aujourd'hui, nous sommes en août 2015 et c'est un voyage. La Bible nous dit clairement de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. C'est un voyage auquel on travaille et j'ai appris beaucoup de choses auxquelles je travaille dans cette marche et le Seigneur m'a appelé pour cette cause. Et il m'a donné sa parole pour cet appel. Il m'a appelé en utilisant le psaume 45, du verset 10 au 11, qui dit « Écoute, jeune fille, vois et prête l'oreille. Adore-moi parce que je suis ton Seigneur. » Vous pouvez lire le psaume 45, du verset 10 à 11. Il m'a dit « Sors du milieu de ton peuple et de la maison de ton père. » Il m'a réellement appelé. Il m'a établi dans un ministère prophétique en me donnant le verset d'Ésaïe 45. Le Saint-Esprit m'a guidé dans le travail que Dieu m'a appelé à faire. Et comme je le disais, c'est un voyage de transformation. J'étais une alcoolique, bien que j'avais donné ma vie à Jésus-Christ. Je n'ai pas arrêté l'alcool immédiatement. C'est quelque chose qui a duré pendant plusieurs années pour que Dieu me délivre. Et Dieu est très patient avec nous, car je me souviens qu'il a enlevé le langage obscène. J'avais l'habitude d'aller à l'église en pantalon, de pratiquer des danses obscènes des boîtes de nuit. Le Seigneur est venu et m'a tout doucement transformé en me faisant regarder à sa vérité. Ainsi, en novembre 2011, j'ai eu une autre rencontre sérieuse avec Dieu. C'est en ce moment qu'il m'a appelé au ministère. Et il m'a donné le chapitre de Matthieu 17. Je me souviens qu'il est venu et m'a parlé de la transfiguration et il m'a montré une vision de lui, Moïse et Élie. Je ne pouvais pas comprendre ces choses. Et c'est en ce moment qu'il m'a donné le ministère prophétique dans lequel j'opère. Ensuite, il a commencé à m'enseigner encore au sujet des choses dont je dois me débarrasser si je veux entrer dans le royaume de Dieu. J'aimerais insister sur le fait que c'est le Saint-Esprit qui peut nous enseigner toute chose, toute vérité, rien d'autre. C'est le Saint-Esprit qui ouvre nos yeux et notre compréhension aux révélations de Dieu. Il y en a beaucoup. Mais il te donne des révélations par moment et en fonction de ton niveau d'humilité. Aussi, si tu es prêt à recevoir ce message et à ne pas le rejeter. Souvenons-nous de la femme samaritaine qui était venue et à qui Jésus avait dit « Je ne peux donner ces restes aux chiens. » Vous savez qu'il ne veut pas gaspiller ses révélations avec des personnes qui ne veulent pas aller ou marcher sur ce chemin. Ainsi donc, il me guérit de l'alcool. Malgré le fait que j'avais donné ma vie au Seigneur, j'allais à l'église avec une bouteille de bière dans mon sac à main et après le culte, je sortais boire les bières et toutes ces choses. Ainsi, c'est un voyage pour lequel je criais à Dieu en disant « S'il te plaît, délivre-moi de l'alcool » à plusieurs reprises. Ainsi, c'est une aventure dans laquelle j'ai crié au Seigneur afin qu'il me délivre de l'alcool. « S'il te plaît, délivre-moi de ceci, délivre-moi de la fornication. » C'est un voyage et cela ne se fait pas en un seul jour. Je vous ai dit, cela fait maintenant 11 ans et Dieu continue de travailler en moi. Ainsi donc, en 2011, Dieu m'a clairement dit « Catherine, je ne veux pas te voir dans ma présence avec tes pantalons. » « Ok. » J'ai dit « Ok, Père, je ne ferai pas. » Alors, je pensais qu'être dans sa présence voulait simplement dire les moments où j'allais à l'église ou faire son œuvre ou aller prêcher ou dans la chambre haute, pendant mes moments de prière avec lui, j'enlevais mes pantalons. Et lorsque je n'étais pas dans sa présence, je pouvais remettre mes pantalons pour aller faire les courses ou aller où je voulais dans mes pantalons. De ce fait, cela m'a pris 2 ans. En 2 ans, j'ai regardé la vidéo de la sœur Claire Andou du ministère des femmes vertueuses et elle était en train de parler de la même chose. Comment elle a eu la révélation de la part de Dieu sur le fait que l'église est sale, les femmes portent des pantalons, utilisent
les maquillages et tout ça. J'ai fait attention à sa révélation parce que Dieu m'avait clairement parlé au sujet des pantalons. Sa révélation était donc plus profonde. Après avoir regardé cette révélation de la part de la sœur Claire, le Saint-Esprit me parla en me demandant « Catherine, à quel moment tu n'es pas dans ma présence ?» Parce que vous vous souvenez qu'il m'avait dit que je ne devais pas porter de pantalon dans sa présence. Ainsi, je pensais que lorsque je ne faisais pas l'œuvre du ministère, je n'étais pas en mission, j'étais ainsi hors de sa présence. Maintenant, il revient et me demande « À quel moment n'es-tu pas dans ma présence ?» Alors, souvenez-vous, en psaume, David dit « Quand je suis dans les toilettes, tu y es. Même si je vais au fond du trou, tu y es. Même là-haut, tu y es. » Nous sommes tout le temps dans la présence de Dieu. C'est la raison pour laquelle il dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Ainsi, il ne peut nous abandonner, même pendant une minute. Tout le temps, ainsi le Seigneur a été fidèle de cette manière. Il a été très patient avec moi. J'ai abandonné les pantalons. J'aime tellement le Seigneur. Souvenez-vous qu'il m'a sauvé des démons. Il m'a libéré de Satan lui-même. Le Saint-Esprit m'a délivré directement. Il est celui-là qui m'a délivré. De ce fait, que sont les boucles d'oreilles? Ce sont les choses pour lesquelles je me suis demandé. Dieu, si tu ne veux pas les boucles d'oreilles, je n'en mettrai pas. Père, si tu ne veux pas de pantalon, je n'en mettrai pas. Je veux faire les choses qui plaisent au Seigneur, parce qu'il m'a sauvé. Être possédé par les esprits méchants n'est pas drôle du tout. Et si je sais qui m'a sauvé, qui m'a délivré, qui suis-je? Même s'il veut que je fasse, je le ferai. Pourquoi? Parce que je vis pour lui. Il m'a sauvé pour lui-même. Ainsi, pendant que nous continuons avec la révélation de la sainteté, sans la sainteté, personne ne verra Dieu. Un jour, j'étais en prière et le Seigneur m'a dit, « Catherine, tu ne rentreras pas dans le royaume de Dieu. Tu ne viendras pas dans mon royaume. » Je lui ai alors demandé, « Mais Seigneur, pourquoi ?» Et il m'a répondu, « Parce que tu es une menteuse. » Et il me donna un verset biblique dans le livre de Révélation 22, du verset 14 à 15, où il dit que tous les menteurs n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mes sœurs, mes frères, le Seigneur m'a dit que parce que je tais mes cheveux, je menais une bataille contre mes cheveux gris depuis longtemps. Je noircissais mes cheveux chaque 2 semaines. À présent, le Seigneur lui-même, celui qui m'a délivré des esprits méchants, est en train de me dire que je n'entrerai pas dans son royaume, parce que je mens. Si je noircis mes cheveux blancs, toi qui me regardes, tu penseras que j'ai les cheveux noirs. C'est un mensonge devant Dieu. Je vous donne ainsi une impression différente. Ce n'est pas moi. Et si l'on vous demande, avez-vous vu la femme aux cheveux noirs? Tu diras non. Si Dieu venait vous trouver pour vous demander, sœur, frère, avez-vous vu la sœur Catherine aller par ici? Vous demanderez ensuite à quoi elle ressemble et le Seigneur dira, elle a les cheveux gris. Vous direz bien sûr non. Cela signifie que je mens et que je donne une impression erronée, non seulement à mes frères et sœurs, mais surtout à Dieu. À Dieu Tout-Puissant qui me bénit avec des cheveux gris. Ainsi, après avoir donné cette révélation, il me donna le verset en psaume 4, verset 2, qui dit « Vaine gloire, quand cesserons-nous de courir après ces vaines gloires ?» Oh mensonge! Ensuite, il me donna un verset très profond dans le livre d'Ésaïe 46, du verset 3 à 5, qui dit « Même si tu es jeune, je t'ai soulevé. Pendant tes vieux jours, je te soutiendrai. Même si tu es gris, le Seigneur a clairement signifié. C'était lui qui parlait en disant « À qui me compareras-tu? Y a-t-il un autre Dieu? Même lorsque tu auras les cheveux gris, ce sera moi. » Maintenant, vous pouvez imaginer, je suis en train de résister à ses promesses. Il sait pourquoi il m'a béni avec les cheveux gris. Ce n'est pas pour moi, mais pour lui. Pendant de nombreuses années, je partais à l'église et dans des missions, mais je lui mentais. Il n'était pas content de moi. Notez bien, dans le livre d'Ésaïe, il ne dit pas
Même si tu perds une jambe, c'est moi. Il dit, quand tu seras vieux ou lorsque tu auras les cheveux gris. Il ne dit pas, si tu boites ou si quoi que ce soit. Il dit clairement, lorsque tu auras les cheveux gris. Alors j'étais en train de me battre contre les promesses de Dieu et il me donna cette révélation et cela est récent. Je pensais que j'irais au ciel pendant que ce n'était pas le cas. Le salut est un voyage et cela est en rapport avec la vérité. C'est lui qui nous révèle la vérité. C'est lui qui nous dit ce qui lui plaît. Souvenez-vous, j'étais parti. Il m'a tiré du trou. Il m'a sorti de la boue. Si le fait de noircir mes cheveux déplaît à Dieu, je vais arrêter de les noircir. Qu'est-ce que j'ai à perdre? J'avais déjà perdu la bataille. Je vous ai dit dans mon témoignage que j'avais demandé à Dieu de mourir d'une bonne mort. Je ne sais pas s'il y a une bonne mort, mais j'ai demandé à Dieu, s'il te plaît, ne m'embarrasse pas dans ma mort. Alors maintenant, qui suis-je pour déplaire à Dieu? C'est la relation que j'ai avec lui. Je sais qui m'a sauvé. Je sais qui est venu à moi lorsque je pleurais. Ce n'était pas un être humain, c'était Dieu lui-même. Je l'ai entendu se battre pour moi, m'appeler son enfant. De ce fait, je suis reconnaissante pour la relation qu'il m'a fait, la grâce d'avoir avec lui. Il ne veut pas de cheveux teints. Il m'a même révélé. Qu'est-ce que teindre les cheveux signifie? Supposons que je vienne et te dise, meurs sans te demander d'épilation. Teindre, lorsqu'on l'entend, signifie mort. De ce fait, j'appliquais la mort tout le temps dans mes cheveux. Et sa gloire se trouve dans les cheveux. Il dit dans Matthieu que je connais le nombre de cheveux qui sont sur ta tête. Tout un chacun de nous. C'est la raison pour laquelle Satan vient et s'amuse à jouer avec nos cheveux, en essayant de mettre des tissages dans nos cheveux. Mais cela ne plaît pas à Dieu. Si nous voulons réussir à entrer au ciel, nous devons nous soumettre au Saint-Esprit. Parce que dans Jean 14, Jésus l'a dit clairement. C'est seulement le Saint-Esprit qui peut nous enseigner toute la vérité au sujet de Dieu. Les faux cheveux ne viennent pas de Dieu. Teindre les cheveux ne vient pas de Dieu. Porter les choses immorales ne vient pas de Dieu. Souvenez-vous, c'est l'humilité qui peut sauver la vie de quelqu'un. Parce que plus nous nous humilions devant le Dieu Tout-Puissant, il nous parle d'humilité, les humbles hériteront du royaume des cieux. Il l'a clairement signifié dans le livre de Matthieu, au chapitre 5. C'est seulement l'humilité qui va nous faire entrer dans sa présence, dans sa gloire. Nous devons être comme les petits enfants. Jésus l'a dit clairement. Si nous ne devenons pas comme les petits enfants, dis à un enfant, enlève ceci. Des fois avec une gifle, il s'exécute. Parfois il pleure, mais ils font ce que tu as dit. Donc, à condition que nous devenions comme des enfants, comme des petits-enfants, et arrêtons d'argumenter avec notre Dieu, il nous a créés. Il a créé chacun d'entre nous d'une façon spéciale. Le roi David a clairement dit ceci. J'ai été créé de façon merveilleuse. Dieu a créé avec un but. Il a créé nos cheveux gris avec lesquels nous nous battons. Mais il nous dit que c'est lui qui nous bénit, même pendant nos vieux jours. Pourquoi combattons-nous donc la vieillesse? Les femmes en particulier, nous ne voulons pas vieillir, mais Dieu l'a fait pour un but. Et lorsque nos enfants ou un membre de notre famille meurt jeune, nous ne sommes pas contents. Mais aujourd'hui, j'ai 50 ans. J'étais sur le point de mourir à 40 ans. C'est à ce moment qu'il est intervenu en ma faveur. J'avais été sacrifié dans le royaume des ténèbres, mais il ne l'a pas permis. Et aujourd'hui, cela fait 11 ans. J'avais 40 ans. Et aujourd'hui, 11 ans après, j'aurai 51 ans. Je suis toujours debout et pour Dieu. Je remercie Dieu pour sa transformation. Et je lui ai donné la permission. Souvenez-vous, l'apôtre Paul, à un moment, il a dit, « Tout est devenu comme une poubelle. » C'était un voyage pour l'apôtre Paul, pour qu'il arrive à réaliser que tout est vanité, ce n'est rien.
Tout ce qui l'intéressait était le royaume de Dieu. C'est à ce niveau que nous devons être en tant qu'enfants de Dieu. Je n'étais pas sauvé de ces démons pour être mon propre Dieu. Il y a un Dieu qui m'a sauvé et je devais me soumettre à ce Dieu. Je dois me soumettre à ce Créateur. S'il me dit, Catherine, ceci ne me glorifie pas, je prie afin qu'il me donne la force de laisser tomber ce qui ne lui donne pas gloire. Il est un Dieu de gloire. Il recherche la gloire de notre part. Il nous a créés pour son plaisir. Il m'a créé pour son plaisir. Lorsque Satan m'avait sous son contrôle, il abusait de moi, n'importe comment. J'étais une alcoolique, je m'en foutais. J'étais une catastrophe, une poubelle. Tu n'as qu'à juste mentionner un vice, c'était moi. J'étais souillée. Mais alléluia, nous servons un Dieu vivant. Il nous a créés pour sa gloire, pas pour la souillure. Lorsque tu teins ses cheveux, mon frère, ma sœur, Dieu pleure parce qu'il t'a donné les cheveux gris pour un but. Il nous a créés pour un but. Il nous aime. C'est la raison pour laquelle il veut que nous connaissions sa vérité, en sachant que certaines choses ne le glorifient pas. Les pantalons ne le glorifient pas. Lorsque je portais des robes pour montrer mes seins, cela, ça ne glorifiait pas Dieu. Et je pouvais aller au pupitre et faire ce que je devais faire avec tous mes seins à découvert. Je me souviens d'une fois, il a donné un rêve à ma sœur, me montrant en train de prêcher devant une grande congrégation, mais avec mes seins qui étaient à découvert. Ceci ne glorifie pas Dieu. Tout est une vaine gloire. Il nous demande dans le livre d'Ésaïe 45 au verset 9, « Qui es-tu pour argumenter avec ton Créateur ?»« Qui suis-je pour argumenter avec mon Créateur ?»« S'il m'a donné des cheveux gris, pourquoi suis-je en train de prendre la brosse ?» pour les teindre afin de les dissimuler. Il demande clairement, « Qui es-tu pour argumenter avec ton Créateur ?» Prenons un exemple. Ce que tu fabriques, demandera-t-il au Créateur, « Qu'est-ce que tu fais ?» ou « Peux-tu demander à ta mère à quoi as-tu donné naissance ?» Toutes ces choses ne glorifient pas Dieu. C'est une marche de salut. C'est une marche de vérité. Souvenez-vous que la vérité blesse. Personne ne veut la vérité. C'est seulement les humbles qui peuvent supporter la vérité. Lorsque Dieu m'a débarrassé du fait de teindre mes cheveux, c'était la chose la plus difficile parce que je pensais à la manière dont les êtres humains allaient me percevoir. Mais il m'a clairement dit dans le livre d'Ésaïe 2, au verset 22, « Malheur à ceux qui mettent leur confiance en l'homme. De simples êtres humains, hormis leur souffle de vie, qui est le Saint-Esprit ? Qu'est-ce qu'un être humain peut faire ?» Je ne fais pas les choses pour plaire aux êtres humains parce que, tout d'abord, je ne vais pas aller dans leur royaume. Ensuite, ce ne sont pas eux qui m'ont sauvé. Ce ne sont pas eux qui sont morts pour moi. Jésus est mort pour moi, pour un but, et c'est son royaume. Il a dit, « Je m'en vais vous préparer une place dans la maison de mon Père, et je m'en vais à cet endroit qu'il est allé préparer. » Donc, quelles que soient ces choses terrestres qui me tiennent au sol pour me refuser, me bloquer ou pour être des pierres d'achoppement pour le royaume de Dieu, je remercie Dieu car il m'a donné les yeux ouverts, sa sagesse pour la connaissance, son discernement pour savoir qu'il n'aime pas certaines choses et il les a enlevées et il m'en a débarrassé. Je donne gloire à Dieu. C'est une marche, mes sœurs, pour laquelle je ne peux pas vous dire que je suis arrivée à destination, mais jusqu'à ce que je dise un jour que tout est devenu comme une poubelle. Et je prie le Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus, qu'un jour je ferai cette affirmation, que toute chose est devenue comme une poubelle, à part lui et son royaume. À Dieu soit la gloire, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse avec ce message et que Dieu touche ton cœur et te révèle son amour et son amitié. Sans lui, nous ne pouvons pas être saints. Et sans la sainteté, personne n'héritera du royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse.